Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser cette maison moderne sur Minecraft avec une piscine comme ça qui est intégrée dans la structure, vous voyez, du plancher de la maison. C'est une idée que j'avais trouvé sur Pinterest, que j'ai un petit peu aménagé à ma sauce, et vous voyez un peu ce que ça donne, et je trouve ça plutôt cool. Je pense que cette maison elle va être pas mal. Enfin, elle va être pas mal. Oui, elle est bien, mais... non, j'aime bien, moi. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Et du coup, voilà, on va la faire en tuto. Ben, tout de suite. Ok, donc, on est sur la flat map. Et je vais vous donner les blocs et leur nombre dont vous avez besoin pour réaliser la maison. Hop. Voilà, hop, donc on va prendre les blocs de quartz lisse, comme vous savez j'aime bien. Alors dans les commentaires de la dernière vidéo, il y en a certains qui m'ont dit est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser du béton blanc plutôt que du quartz? Alors non, le quartz est je trouve beaucoup plus intéressant que le béton blanc. En ce qui me concerne, je le préfère largement, surtout le quartz lisse parce que vous voyez, bon, il est lisse du coup effectivement. Et il est beaucoup plus pétant que le béton blanc, je trouve. Et en plus, on a des déclinaisons avec des dalles, avec des escaliers qui nous permettent d'avoir, vous voyez comme ça là par exemple, toute une continuité dans la couleur en ayant des escaliers et des dalles partout. Donc franchement, ben désolé, mais si vous utilisez du béton blanc, vous avez tort, voilà. voilà, donc on va prendre ce squelette de maison, devrais-je dire, pour commencer, on va commencer par la façade de la maison. Donc, l'idée c'est qu'on va commencer par le bas de la piscine ici, vous voyez, on va faire une ligne de quartz de 8 blocs de longueur, ok, entre là-bas et là. Au-dessus, on va mettre 3 blocs de quartz ici comme ça et là-bas aussi, d'accord ? Ici, à partir de là, jusque sur le côté ici, on va mettre 9 blocs de quartz. Ok, on va venir sur le côté et on va venir entre ce bloc-là, mettre une ligne de quartz jusqu'ici de 19 blocs de longueur. D'accord ? Hop, sur l'arrière de la maison ici, entre ce bloc-là et tout au bout là-bas, ici, on a 22 blocs de longueur. D'accord ? Hop, entre ici, du coup... Et jusqu'à là, vous avez 19 blocs, d'accord? Alors maintenant, vous avez normalement le petit pilier qu'on a mis juste avant, que je vous avais dit de deux côtés de la piscine. Et donc, entre ce bloc-là et ce bloc-là, normalement, si vous avez tout bon, vous avez 5 blocs et que vous mettez voilà en quartz. Ok, donc pour l'instant, vous avez le tour de la maison ici. Hop, ok, donc à l'arrière ici, on va prendre le coin, on va prendre l'arrière, à partir de ce bloc-là jusqu'au bout, hop, ici on va mettre 16 blocs de longueur, donc la même chose de l'autre côté entre le coin là-bas et ici, d'accord? Donc sur l'arrière, entre ce bloc-là et celui-là, on a 6 blocs, et à côté vous remettez une ligne tout jusqu'à l'autre pilier, d'accord? Alors... on va mettre un trait comme ça en plein milieu, enfin une ligne de blocs en plein milieu. On va compter à partir du coin ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 blocs. Et sur le 7e bloc, on met une ligne de quartz jusqu'à l'autre côté. Voilà, donc ça c'est pour le premier étage. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va combler hop, de quartz tout cette zone-là, vous voyez. Tac, 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 jusqu'ici. Alors, comme ça, voilà, tout jusqu'au plafond, hein, comme ça. Pareil ici sur le côté. Hop, bah bref, vous avez compris l'idée. Et en plein milieu ici, vous voyez sur notre maison ici, derrière la piscine, on a mis un espèce de petit jardin à l'intérieur, coincé à l'intérieur de la maison. Et donc on va mettre du quartz sous la piscine, mais on va laisser un petit espace pour le jardin. Et c'est à ça que sert notre ligne de quartz qu'on avait mise ici. Donc toute la surface ici,
on la met en quartz. Ok. Hop. Ok, donc voilà ce que ça donne. Alors, pour pouvoir accéder à ce petit jardin derrière la piscine, on va mettre des portes ici, comme ça, vous voyez. Et donc, on va faire un trou, hein, tout simplement. Et vous voyez, donc là, on va à l'arrière de la maison, ici. Et sur le dessous, hop, de notre grande ligne de quartz qu'on avait mis à l'arrière de la maison, on va mettre un mur jusqu'au sol, si tant est que j'arrive à placer les blocs correctement. Ce qui serait quand même un exploit. Hop. Voilà. Et en plus de ça, on va faire... Vous voyez, donc là, on a fait le mur. Et en plus de ça, vous voyez, on va faire une ligne comme ça qui est qui ouvre le mur sur toute une certaine longueur. On va laisser combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de mur ici. Et le reste, on va mettre un trou très long comme ça dans le mur. Donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le reste ici sur la longueur, on va mettre des dalles de quartz lisse, comme ça. Ok, on va reprendre les blocs de quartz lisse et on va mettre des blocs sur toute la surface ici, comme ça. Vous voyez, sur tout l'intérieur ici. Ok. Hop. Ok. Donc maintenant, pour pouvoir faire l'escalier qui va nous permettre de monter sur la maison, on va utiliser des escaliers en quartz. On peut même utiliser des escaliers en quartz lisse pour être encore mieux. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on prend le bord ici, hein, vous voyez, on met trois escaliers comme ça. Et on les descend petit à petit jusqu'au sol. Voilà, j'ai mis un petit repère histoire de savoir où j'atterris. Mais normalement, vous n'avez même pas besoin de ce repère-là. Vous faites juste ça comme ça. Et puis c'est bon. Alors, sur la partie du dessus, on va mettre une plateforme en quartz. Toujours. Donc, on va partir du coin à ce niveau-là, d'accord. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs, ok. Et sur le cinquième bloc, on va mettre un pilier de hauteur comme ça, sur 1, 2, 3, 4 blocs de haut, d'accord. Puis, à partir de ce bloc-là, du coup, on va mettre... À partir de là jusque là, une ligne de 7 blocs de quartz. Hop, sur l'arrière, entre ici et là, on en a 7 également. Puis entre ici et l'autre bout ici, on en a 18. Normalement, vous voyez, ça dépasse bien hein, ici de la plateforme du dessous. On dépasse complètement. Donc ça, c'est normal. Hop, de ce côté-là, entre là... Et ici, on en a 8. Sur l'arrière, on a entre ce bloc-là et l'autre tout jusqu'au bout, on en a 25. Ok. Et normalement, vous êtes aligné avec l'autre bloc du début et vous n'avez plus qu'à faire une ligne ici jusque là. Donc là, j'ai 14 blocs au total. Ok, donc, on va... continuer notre petit pilier qu'on avait mis à ce niveau-là et on va mettre tout un mur de quartz à ce niveau-là, vous voyez. Hop, on le bouche rapidement et je crois que pour le deuxième étage, c'est le seul mur en quartz que l'on a, je crois bien. Ouais. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va remplir la surface ici avec du quartz. Tac, tac, tac. Hop. D'accord, donc voilà ce que ça donne. On va faire les plateformes du dessus pour faire le toit, d'accord. Donc je vous invite à prendre le coin ici par exemple, ou en fait peu importe le coin en question. On va prendre le coin ici et on va compter 1, 2, 3, 4 blocs comme ça de hauteur. Et on va prendre ce coin là comme repère à 4 blocs de hauteur. Hop, à partir de là sur le côté jusqu'ici on a 8 blocs. Hop, sur l'arrière, entre ce bloc-là et le bloc tout, ici, on en a 26. D'accord. Donc, c'est légèrement décalé par rapport à en dessous. Hein. Vous voyez, on a un bloc qui est décalé comme ça par rapport à en dessous. Et c'est normal. Sur le côté, donc, entre ici et là, on en a 8. D'accord. Et normalement, vous êtes aligné avec le bloc du départ. Il n'y a plus qu'à tracer la ligne. Donc, entre ici... Et là, ça nous fait 25 blocs de longueur. Ok, parfait. Donc, il n'y a plus qu'à
remplir de quartz. Voilà. Ok, donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors, on va revenir sur cette partie-là de la maison où on avait laissé un pilier et on va compléter ici le mur avec des blocs de quartz. Tac, 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 tac. Vous voyez ? Et ça nous donne une forme plutôt sympa. Ok, dernière petite chose, on va rajouter des dalles hop, en quartz lisse sur le toit comme ça. D'accord ? On va rien mettre au milieu par contre. L'idée, c'est qu'on va laisser une ligne de bloc ici comme ça de marge. Juste derrière, on va mettre une ligne de quartz, d'accord ? De dalle en quartz. Hop, et par le devant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de quartz du coup. Hop, normalement vous êtes aligné avec le coin en dessous. À partir de ce bloc-là, on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs jusqu'ici, d'accord ? On revient sur l'arrière et entre cette dalle ici et jusqu'au bout ici, on en a 18. D'accord ? On revient comme ça, entre celui-là et celui-là, il y en a 7. Et après, normalement, vous êtes aligné avec le reste. Si vous avez bien tout compté, normalement, vous avez 1, 2, 3 blocs ici d'écart par rapport au reste de la maison. D'accord ? Et voilà. Alors, une fois qu'on a ces dalles comme ça, on va utiliser des dalles à nouveau pour les mettre en dessous. Hop, ok. Et comme ça, on a ce genre de jointure au niveau du toit, vous voyez ? Avec une dalle qui est au même niveau que le toit, une dalle au-dessus. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Hop, ok. Et donc, on est pas mal. On va mettre les murs en béton maintenant. Ok, donc, on va prendre le coin ici, vous voyez. On va mettre un bloc par derrière pour mettre du béton gris. Ok, et on va prolonger ce béton gris sur 8 blocs de long, jusqu'ici, vous voyez. Puis après, à l'arrière, entre ici et là, on en a sur 5 blocs. On va faire une grande ouverture de 5 blocs également. Et on va mettre une autre ligne de béton jusqu'au mur, et normalement, elle fait 7 blocs de long. Ok, puis après l'idée, je vais vous donner toutes les longueurs pour les lignes de béton au niveau du sol, mais l'idée bien sûr c'est de pouvoir après les prolonger en hauteur pour qu'elles touchent le plafond. Sauf pour cette partie là bien sûr je vous ai montré autre chose, mais vous voyez, sur les autres parties de la maison, le béton va toujours refaire des murs jusqu'au plafond comme ça. Hop. Donc, de l'autre côté de la maison, on va voir un truc un petit peu particulier. Donc, voilà, on va prendre le bord ici, on va mettre un bloc de béton par derrière, on va faire 3 comme ça. On va mettre une petite ligne de 3 blocs, ok ? Qu'on va monter au plafond. Hop, pour le grand carré qui reste ici. Bon, c'est pas un carré, mais c'est un carré. On va prendre ce coin-là, un bloc de béton par derrière, et on va faire une ligne jusqu'ici de 13 blocs. On va par l'arrière entre ce bloc là et ce bloc là, c'est 14 blocs, ok. Puis entre celui là et jusqu'au mur, on en a 12, ok. Donc c'est quasiment un carré quand même. Ok, une fois qu'on a ça, on va monter tous les murs jusqu'à 3 blocs de hauteur, hein, même ici pareil. Hop. Ok, voilà ce que ça donne. On va remplir la surface ici avec du béton jusque là, hein, vous voyez, comme ça. Hop. Alors, on va pas complètement remplir, on va laisser quelques espaces pour mettre des espèces de pots de fleurs géants. Hop, comme vous pouvez l'avoir vu sur notre modèle. Donc, on va laisser 2 blocs ici de chaque côté et on va laisser des trous de 3 par 3. Comme ça, pour pouvoir mettre des arbustes. Donc, on laisse 2 blocs ici, 2 blocs comme ça, et 2 blocs de l'autre côté. Et en plein milieu, du coup, on va laisser 1, 2, 3, tac, 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 tac. On va laisser 2 blocs entre les pots de fleurs eux-mêmes. Hop, et donc, on va laisser 2 trous comme ça. Ok. Hop, on va les remplir avec de la terre. Hop, comme ça.
La même chose ici, hein. Hop. Voilà. Ok. Donc pareil, hein, ici, il faudra mettre les blocs de béton jusqu'au plafond. Au deuxième étage, je vais vous donner directement les dimensions. Donc on va prendre ce coin ici, bloc de béton par derrière, on en met deux. On va laisser une ouverture de 5 blocs où on ne va rien mettre. On va mettre un mur de béton jusque là de 7 blocs de longueur, d'accord? Et normalement, vous avez un bloc de marge jusqu'au bord du mur. Dans l'autre sens, on va mettre 4 blocs de vitre, donc qui servira à faire une fenêtre. Hop, et entre ce bloc-là et ce bloc-là, on a 7 blocs de béton. Ici, on a 5 blocs de vitre et 2 blocs de béton comme en face. De l'autre côté, là-bas. On va prendre le coin ici, vous voyez, dans la diagonale, on met un bloc de béton. Et puis, on en met 5 sur la longueur. Entre ici et là, il y en a 5. Sur l'arrière, entre là et là, il y en a 6. Et entre là et là, il y en a 4. Normalement, vous êtes aligné avec l'autre côté en face. Ok, donc l'idée, c'est que, encore une fois, toutes ces choses-là, on les met jusqu'au plafond. Le béton, bien sûr, mais les vitres aussi, vous voyez, hein, on les additionne pour que ça touche le plafond comme ça. Et ça sera partout la même chose. Au troisième étage. Alors, je vais déjà peut-être faire l'escalier qui va permettre de monter à l'étage du dessus. Ça sera plus pratique pour ceux qui sont en survie. On va mettre un escalier ici, juste à côté du bord de notre mur en béton. D'accord? Et on va faire des escaliers comme ça. Tac, 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 tac. Ah bah du coup, j'arrive pas, voilà, à cliquer où il faut. Comme ça. Comme ça. D'accord? Et on va enlever ces blocs-là. Comme ça. Vous voyez? Et d'ailleurs, pour l'escalier, hop, ces blocs-là, ici, on va les enlever, hein, et on va prolonger le mur qu'on a en dessous, en béton, comme ça. Ok, comme ça, c'est plus joli. Donc, pour le dernier étage, du coup, on va partir du bord à ce niveau-là. Le bloc qu'il y a juste derrière, on va mettre 3 blocs de vitre, d'accord? Ici, on va continuer avec 5 blocs de béton qui sont exactement les mêmes que ceux que l'on a en dessous. Bien sûr, hein, pour donner l'impression que le mur se prolonge tout jusqu'au toit. Hop, à côté ici, on va mettre une grande vitre, une très très grande fenêtre de 10 blocs de long. Puis 2 blocs de béton, 2 blocs d'ouverture, 2 blocs de béton. Ici, sur l'arrière, on va mettre 5 blocs de vitre. Hop, ici, on va mettre 6 blocs de béton, d'accord, redis blocs de vitre, la même chose qu'en face. Ici, 5 blocs de béton, pareil qu'en face, et pareil qu'en face, les vitres également. Ok, donc l'idée, c'est que toute cette partie-là, donc toute cette ligne-là, et la ligne d'en face, ainsi que la vitre ici, on les monte jusqu'au plafond, pareil. Sauf que ces vitres-là, par contre, on ne va pas les laisser, on va pas les monter jusqu'au plafond. Déjà, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de plafond. Et donc, ça aide. Et puis, surtout, ça sera juste une barrière de sécurité sur une terrasse. Donc, l'idée, voilà, on va partir de ce bloc-là. On va mettre une ligne de vitre jusqu'au bout, ici, jusqu'au bord du toit. Hop, ici, pareil, jusqu'à être dans l'alignement par rapport aux autres fenêtres. Mais là, par contre, on la garde à un bloc de hauteur. Et le reste, on monte à deux blocs ou trois blocs. Hop, comme ça. Ok, donc voilà, hein, là où on en est arrivé. Donc on va faire la piscine. On va faire la piscine, donc on va prendre des blocs ici de verre. On va aussi prendre des lanternes aquatiques. Hop, ok. De l'eau aussi, effectivement, pour une piscine, ça pourrait être pas mal. On va mettre un mur de verre ici, comme ça. D'accord ? Et on va mettre un autre mur de verre ici, derrière la partie en quartz. Hop, jusqu'à ce niveau-là, vous voyez? Ok, bon, alors les parties en lanterne aquatique, on va en mettre une ici.
Hop, une ici aussi et une en plein milieu. Donc tous les deux blocs, on en met une. Tac, hop, tac et tac. D'accord. Puis, on va essayer avec de l'eau quand même. Pour une piscine, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. D'accord, c'est bon. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir mettre... on va faire les arbustes qui sont ici d'ailleurs tout de suite, comme ça c'est fait. Donc, on va venir prendre des barrières en chêne. On les met en plein milieu ici, comme ça. On en met 3 l'un par-dessus l'autre. Et on met 1, 2, 3, 4. Parce qu'on en met plus 5 blocs de feuilles au-dessus. D'accord. Hop, 1, 2, 3, paf, 1, 2, 3, 4, 5. Pour être, pour faire joli. Ok, on va continuer avec le sol ici, donc au rez-de-chaussée. On va enlever tout le sol ici comme ça, vous voyez. Hop, voilà, donc on fait, on enlève tout ça aussi devant, ici comme ça. Et on va prendre les planches de chêne hein, classique et on va venir recouvrir toute la surface avec des planches de chêne. Hop. Hop, ok. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir prendre les vitres. On en met une ligne ici, parce que ça fait stylé. On en met ici aussi. Et puis, on va en mettre ici aussi, sur la grande entrée. Tiens, d'ailleurs, on va prendre aussi des blocs de verre, par contre, et on va remplir ici la petite zone, histoire qu'on puisse marcher par-dessus. Vous voyez, c'est quand même un petit peu mieux. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié une partie du mur ici, moi. Tac, tac. Ok. Alors, on va faire la partie ici, maintenant. On va venir prendre les trappes en chaîne, comme ça. D'accord ? Et on va venir mettre sur la partie basse, vous voyez, il y a deux dalles l'une par-dessus l'autre. On va mettre sur la partie basse une dalle ici ou des lignes de dalles ici comme ça, vous voyez. Hop, on les espaçant d'un bloc à chaque fois. Hop, 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 hop. Ok, la même chose de l'autre côté, sauf qu'on va mettre qu'une seule ligne de dalle, ligne de trappe, pardon. Hop, ici comme ça. Oui, des fois je m'en patouille un peu avec les mots. C'est-à-dire que je confonds les trappes avec les dalles ou ce genre de trucs, même si c'est clair dans ma tête. Donc faites ce que je vous montre en premier lieu, et si jamais vous avez besoin de précision, écoutez ce que je dis, mais vraiment ce que je montre c'est le plus important, voyez, clairement. Bref, on va faire des lignes de dalles, de trappes. Hop, ici comme ça, et on va les prolonger sur l'ensemble, tac, 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 tac. Non, voilà. De la longueur. Voilà, donc on fait ça sur les deux machins. Tac, 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 tac. Ok, et ok. Bon, une fois qu'on a ça, on a quasiment fini la maison. Hein. On n'a plus que les finitions à faire et ça c'est cool. Il y a quand même 2-3 trucs à faire au niveau de l'arrière de la maison, comme vous pouvez le voir. Donc ici, on va prendre du gravier et de la pierre pour faire une ligne de 27 blocs à partir de là-bas, d'accord. Et entre là et là, il y a 8 blocs. Très bien. Ah oui, alors faut faire le truc en andésite aussi en premier lieu. Hop. Donc, on prend l'andésite poli, vous voyez. Elle dit pas de gros mots, elle est polie. Donc, on va prendre, vous voyez, le coin de la maison à ce niveau-là. On va mettre 2 andésites polies par devant, comme ça. Puis, 2 encore comme ça, pour faire 6. Puis, après, on va compter à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Ok. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aussi comme ça. Puis après, on revient contre le mur. Très bien. On va rajouter une ligne de blocs comme ça sur l'intérieur. Et on va garder ça comme ça. À la limite, on pourrait même trouver ça un petit peu plus cool d'en mettre une ligne de plus. Hop. Pour être juste en dessous de la partie en quartz, vous voyez. Comme ça, on a juste en dessous ce qu'il faut.
voyez, donc cette partie-là, on va l'habiller avec donc un arbuste comme on a fait sur l'autre partie. Hop, on va le mettre ici, en plein milieu. 2, 3 blocs. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et le reste, on va utiliser des fougères, des grandes fougères. Parce que j'aime bien les grandes fougères, moi. Tu vois pourquoi? Mais ça me plaît. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser donc du gravier et de la pierre et on va les mettre de manière un peu aléatoire, hein, vous voyez, comme ça, sur toute une longueur comme ça. Ok. Donc je vous invite, hop, à prendre le coin de vos parties en andésite ici, à aller juste à côté, au sol, et on va creuser comme ça une ligne de 27 blocs au total. Donc là on est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 blocs. Comme ça, très bien. Puis on va aller jusque là sur le côté, c'est-à-dire aligné avec le mur ici, vous voyez. Et donc toute cette partie-là, d'accord, toute cette partie-là ici, on va enlever l'herbe pour mettre, hop, voilà. Donc on a ouvert tout ici. On va utiliser, comme je disais, du coup, le fameux gravier, la fameuse pierre. Hop, et puis on va les placer de manière complètement aléatoire, hop, sur la surface, vous voyez, et puis voilà, on va faire ça partout, vous avez compris l'idée, hop, 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 et on remplit toute la surface comme ça, hop, voilà, maintenant qu'on a fait cette magnifique petite, petit jardinet en gravier, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, eh bien on va l'enlever, le gravier. Non, je déconne, on va juste enlever une partie. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui me disent aussi « Oh, c'est embêtant que des fois tu fais des choses, puis après tu les enlèves, comme par exemple le mur derrière moi, j'aurais pu faire la ligne directement. » Voilà, c'est ma méthode de build. Je fais les gros éléments d'abord, puis après je fais les détails dedans, etc., etc. Donc voilà, c'est ma façon de builder. Et notamment ici, on va creuser dans notre partie en gravier. On va prendre ici le coin. On va compter d'un bloc par derrière. On va compter 1, 2, 3 blocs. Et après, au quatrième bloc, on va mettre de l'herbe comme ça. Puis on va refaire notre même carré d'herbe tous les 3 blocs d'écart. On va laisser voilà, 3 blocs d'écart entre chaque carré d'herbe. Vous voyez, comme ça. Et ce jusqu'à ce qu'on puisse plus. Vous voyez, ici on peut s'arrêter. Très bien. Et donc ça nous donne un côté un petit peu design prout-prout qui n'est pas déplaisant, voyez-vous. C'est-à-dire que l'on peut mettre ici, vous voyez, par exemple, de l'herbe classique, puis après des grandes fougères. Toujours les grandes fougères, hein, c'est magnifique. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc on est plutôt pas mal. On va rajouter encore quelques détails. On va utiliser des barrières en chêne ainsi que des feuilles de chêne. Hop, on va venir dans l'alignement avec le mur qu'on a ici et tous les deux blocs, comme ça, tac, tac, en laissant deux blocs en plein milieu. On va mettre des barrières en chêne. Hop. Et on va mettre des feuilles par au-dessus pour que ça fasse un truc. Au moins, c'est un truc. Voilà. Donc maintenant, on va aller à l'intérieur de notre maison et on va mettre des portes ici. Paf, 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 paf. Voilà, et donc on a un accès à un espèce de petit jardin. On va creuser un petit peu dans le sol comme ça, avec des trous un peu partout. On va mettre de l'eau et on va mettre un petit peu de lumière. On va notamment utiliser des lanternes de la mer ou alors n'importe quel autre bloc lumineux de votre choix, voyez, et on va mettre plein de fleurs, de végétation, de nénuphars, de tulipes, de alors des grandes fougères peut-être pas encore, on va peut-être essayer de changer un petit peu de pivoine ainsi que de rosiers, et on va les mettre un petit peu comme ça, on va pas mettre trop de chaque non plus. Et on va rajouter évidemment des cannes à sucre, évidemment, à côté de l'eau, comme ça. J'ai plus la place, voilà.
paf, paf, pour essayer de nous faire une espèce de petite jungle. On va mettre même des herbes. Et puis c'est pas mal. Comme ça, ça nous donne un petit peu de couleur. Sous la piscine. Alors, pour finir les finitions, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le modèle. On va mettre quelques petites lignes de transat ici, vous voyez, hein, en dalle de sapin et en escalier en sapin. Comme ça. Hop, sur le toit, dans le prolongement du mur ici, vous voyez, on va mettre des lignes de panneaux solaires, hein, des capteurs de lumière. Hop, et puis on va rajouter quelques petits pots de fleurs, vous voyez, sur le bord des fenêtres, sur le bord des balcons. Voilà, avec voilà, j'ai mis des orchidées ici, mais on peut mettre n'importe quel autre fleur, bien sûr. Hop, sur le côté à ce niveau-là, ce qu'on peut faire, c'est... Tiens, il y a les rosiers qui ont été coupés. Mettre 3-4 rosiers ici, comme ça, de part et d'autre de la porte, ça peut être pas mal. Et aussi, devant la porte elle-même, mettre une rangée de 3 blocs de large de plaques de pression en fer pour pouvoir faire un espèce de petit chemin qui nous permet d'aller dans la maison. Voilà, je vous reprends sur la ville, hein, où j'avais fait la maison pour la première fois. Et l'idée, comme vous pouvez le voir ici, c'est que notre petite ligne comme ça de plaque de pression rejoint le trottoir à côté de la route, hein, tout simplement. Alors là, pareil, j'ai mis l'entrée des escaliers directement axée sur le trottoir. On peut faire ça comme ça si on a envie, hein. L'idée c'est d'avoir vraiment la maison sur un plot, sur une parcelle dans une ville. Sinon c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est vrai que, alors du coup j'en profite pour vous dire qu'on en fait plein de tutoriels sur la chaîne YouTube si jamais vous découvrez la chaîne. Par exemple, on a fait des maisons de grande taille comme celle-ci, hein, en tutoriel, donc vous pouvez le refaire aussi. Mais aussi un peu toutes les autres maisons que vous avez un peu partout. Hop. Celle qui avait à côté, c'était celle de la dernière fois, de hier, du coup. Hop, un peu dans le même style. Vous voyez, bon, bref, on en a fait plein. Sur ce, n'hésitez pas à aller regarder tout ça, à vous abonner à ma chaîne Twitch aussi, si jamais vous avez envie de faire les maisons ensemble. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.